Le boss est enfin de retour sous les feux de la rampe avec l'organisation Instinct. Athlète talentueux et très fort physiquement, Bossé ne cesse de s'améliorer depuis ses débuts en combat ultime. Craint de ses adversaires pour la puissance de ses mains, Bossé a ajouté plusieurs cordes à son arc grâce à un entraînement intensif en Muay Thai et en lutte. C'est un Steve Bossé plus complet que jamais qui s'attaque ce soir au plus grand défi de sa jeune carrière, alors que se dresse devant lui l'un des plus dangereux cogneurs en combat ultime, Houston Alexander. Ce sera un véritable choc de titans. Afin de couronner ce premier événement Instinct avec une finale internationale de très haut niveau, préparez-vous, le boss est de retour. Auteur de quelques-unes des victoires les plus spectaculaires de l'histoire des combats ultimes, c'est une véritable machine à KO qui s'amène à Montréal ce soir en la personne de l'Américain Houston Alexander, surnommé l'Assassin. Alexander a de la dynamite dans les deux mains et très peu d'adversaires osent rester debout devant lui, puisque 85% de ses victoires ont été obtenues par KO. Présentement sur une série de 4 victoires consécutives, ce vétéran de l'UFC n'a qu'une seule idée en tête ce soir. Y aller d'un brutal KO sur le Québécois Steve Bossé et confirmer son retour au sein de l'organisation américaine. Ne clignez pas des yeux lorsque les portes de la cage se fermeront. Ça va cogner.